Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cet intemporel à trois choix concernant la nouvelle lune en balance. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la joie et que vous êtes reposés surtout parce que cette pleine lune en poisson a été quand même assez perturbante et assez mouvementée, assez fatigante. Quand même, hein. Je ne sais pas si comment vous l'avez ressenti, cette pleine lune en poisson, c'était quand même difficile. Et comme il y a beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment, on n'est pas tellement aidé, hein, avec ce Mercure rétrograde. Il y en a que deux, je crois, qui n'étaient pas rétrogrades, c'est Vénus et Mars. Mais les autres, c'était quand même du lourd, on va dire. Donc, Mercure rétrograde va revenir... Se rétablir et ça va nous faire du bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'influence de la nouvelle lune en balance. La balance est un signe d'air, la balance est un signe de tendresse, de douceur, de plénitude, mais aussi de justice, de justesse. Ici, cette nouvelle lune en balance va nous aider à vraiment pointer, à rayonner sur notre vérité. Sur ce que les choses adviennent avec justice pour vous-même. Vous voyez? Parce que on est tous parfois obligés, peut-être même très souvent, d'être obligés de subir, de rien dire. Vous voyez, et là, ça va être complètement différent, mais en trouvant les mots justes et surtout en restant bienveillant et bienveillante. Ça ne sert à rien de hurler, ça ne sert à rien d'envoyer des mots méchants parce que déjà une, c'est déjà vous vous blessez vous-même. Lorsqu'on est agressif, agressive, faites l'expérience, examinez-vous, analysez-vous. Quand on dit des choses méchantes, on n'est pas bien après. Donc dire les choses clairement, mais avec des mots justes, c'est ce que vous allez trouver, mais vous allez pouvoir poser vos limites, mais aussi pouvoir, comme je dis toujours, savoir dire non ou savoir dire à la personne « tu vas trop loin ». Et moi, ça me blesse. Et ça suffit. Vous voyez ? Donc, il y a trois choix, mes amis. Je vais vous laisser, je vais vous présenter déjà les trois choix. Alors, en premier, nous avons le petit bol tibétain. Le petit bol tibétain pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez le chat qui porte bonheur. J'adore ce petit chat, j'adore. Et en choix numéro 3, vous avez le Bouddha souriant, plein de joie. C'est le Bouddha de la joie. Ok ? Donc, moi, j'ai déjà préparé mes petits tas. Enfin, il y a pas mal de cartes, comme d'habitude. Donc, je vous laisse faire votre choix. Le 1, c'est le bol tibétain. Le choix 2, c'est le petit chat qui porte bonheur au Japon. Et puis le choix numéro 3, c'est le Bouddha de la joie. On a besoin. Donc, faites votre choix. Vous pouvez faire pause pour avoir le temps de bien choisir. Et moi, je vais déjà commencer par le choix numéro 1, qui est avec le bol tibétain. Je fais mon petit ménage avec le bol tibétain. Choix numéro 1. Vous voyez, j'ai tout préparé, mes amis. Je vais d'abord allumer la bougie de mon ami Papillon de Lune, qui sont extraordinaires. Ça a la lavande. C'est vraiment, ça sent très très bon. Moi, je vous les conseille, ainsi que ces gels douches qui sont extrêmement doux pour la peau, qui nourrit la peau, qui est vrai. Ça sent très très bon. C'est un plaisir de prendre une douche avec ces gels douches. Ces savons sont onctueux, ça sent bon. Vraiment, allez voir sur son site, puisqu'elle les vend. Et les bougies, les gels, les savons, c'est extraordinaire. Je vous assure vraiment. Hein. Voilà, donc j'ai allumé ma petite bougie et nous allons commencer tout de suite.
J'aurais voulu faire quelque chose aussi. Je suis en train de chercher quelque chose. Me revoilà. Je voulais prendre ma sauge blanche pour un petit peu nettoyer le plan de travail, les énergies qui sont dans la pièce. Voilà. J'avais envie de faire ça. Si je fais ça, c'est parce qu'il y a une raison. Allez, c'est parti. J'adore. Ça sent très bon. Pour le choix numéro 1. Alors, il est là, votre. Vous voyez, j'ai encore pris plein de cartes. Par contre, auparavant, je voulais vous lire quelque chose parce que, avec un de ces oracles que j'ai utilisé, eh bien, il y a une carte qui est restée dans le paquet. Je l'ai prise. Voilà. Et c'est pour les trois choix, c'est pour vous tous et vous toutes. Sachez que vos guides sont avec vous. Je vais vous lire le message. Observez-vous sans vous juger. Et soyez honnête avec vous-même pour mettre en lumière vos zones d'ombre. Je dirais que vos guides, vos anges gardiens ont été présents avec vous, même si vous avez vécu ces dernières semaines des turbulences, des contrariétés, du stress, de la peur. Je suis sûre qu'il y a des peurs qui sont remontées, de l'angoisse, du stress sur de anciennes blessures, parce qu'on vous a remis dans cette situation. Les guides, les anges sont avec vous, vos anges gardiens, vos guides spirituels étaient avec vous. Vous savez pourquoi vous avez vécu ces perturbations, ces angoisses, ces peurs qui sont venues? Parce qu'il faut nettoyer. Et peut-être que dans ces peurs, dans ces angoisses, c'était provoqué par un événement injuste. Peut-être quelqu'un qui vous déstabilise, un patron, un mari, une femme, un frère, vous voyez. Là, c'est vous qui allez prendre les choses qui résonnent en vous. Choix numéro un. Le bol tibétain. D'accord? Donc, alors, j'ai pris des trois cartes, quatre cartes, pardon. Ouais. J'ai pris quatre cartes de l'oracle. Je vais vous montrer parce que j'ai pas tout dans la tête. Mais cet oracle, il est assez gros. C'est l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Et c'est deux. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Bon. Donc, ici, j'ai pris une carte dans les signes astrologiques et à quoi ils correspondent au niveau des maisons astrologiques pour voir un petit peu quelle influence, quelle maison, quel secteur a été touché ou doit être touché pour régler des choses. Alors, pour vous, choix numéro 1, c'est la maison 9. En Sagittaire. Ici, le Sagittaire, c'est la planète Jupiter. C'est la chance, c'est l'évolution, c'est l'expansion, c'est la quête de soi, c'est la quête de vos sens. Ici, on vous dit, la maison neuve, c'est la spiritualité, c'est la philosophie, c'est les choses auxquelles vous êtes profondément attaché dans vos croyances. Dans vos buts, parce que le Sagittaire, il a quand même un arc avec sa flèche, il a un objectif, il veut avancer, il veut évoluer. Le Sagittaire, il est moitié humain, moitié animal, il est très instinctif, il aime les plaisirs de la terre, mais il aime aussi les choses philosophiques, spirituelles, ça l'intéresse. Alors lui, ça peut passer par les voyages, les amis, parce qu'il aime être entouré, par des lectures aussi, mais aussi par des moments de méditation, de réflexion aussi, le Sagittaire. Attention, c'est un être très, très spirituel, ce signe, hein. C'est aussi quelqu'un qui avance, qui n'a pas peur. C'est aussi quelqu'un qui est très humanitaire. Donc, vous êtes influencé par cette maison, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions au niveau spirituel, peut-être que vous voulez vous lancer, votre objectif c'est de partir dans une activité spirituelle
ou créative ou artistique, ou vous voulez peut-être apporter de nouvelles idées dans votre travail, tout simplement. Vous réfléchissez et puis vous êtes peut-être passé vers des bureaux administratifs pour faire avancer votre travail ou vos idées, tu vois. Peut-être qu'il y a eu une... Alors, on va regarder ce que les planètes vous disent par rapport à ça. Il y a Neptune, il y a la Lune et il y a Saturne. Je vous montre. Il y a Mercure, ici. C'est la communication, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, c'est les petits déplacements, les grands des fois. Parce que là, on a le Sagittaire. Peut-être que vous communiquez ou vous voulez communiquer avec l'étranger. Ou vous voulez avoir une plus grande ouverture vers le monde. Peut-être que vous voulez partir à l'étranger, tout simplement. Peut-être que vous avez quelque chose à voir. Il y a des yeux ici, avant de vous lancer. Vous voyez, ça a tourbillonné dans votre tête. Parce que le Mercure, c'est l'intellect. C'est ce sous-signe des Gémeaux de la Vierge. Le Gémeau, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est l'intelligence. La Vierge, elle a un esprit très analytique. Et vous êtes peut-être... ça a tourbillonné dans votre tête et vous ne saviez plus. Vous avez la Lune qui est la réceptivité, c'est aussi l'intuition, c'est aussi par exemple des choses à découvrir dans l'obscurité, tu vois. Tu vois, on voit qu'il y a quand même encore un avion ici, tu vois. Peut-être qu'on a envie de partir, on a des envies de partir, de paix, de sérénité. Et puis, vous avez peut-être eu des rêves, des cauchemars. Vous voyez, parce qu'il y a la trappe rêve qui filtre les rêves. Tu vois, il y a une araignée. Moi, l'araignée, c'est la créativité. C'est des nouvelles idées. Mais peut-être que vous en avez eu trop et ça... y a eu un débordement aussi. Hein. Vous avez, tu vois, c'est bien marqué l'intellect, la pensée. Et ici, c'est... l'imagination, le rêve, l'inconscient. Il y a peut-être aussi des choses qui sont sorties dans vos rêves, de votre inconscient, tu vois. Ça vous a perturbé. Mais peut-être qu'il y a eu aussi des messages dans vos rêves. Ça, c'est sûr. Et vous avez Saturne, ambition, reconnaissance. Saturne, c'est la patience. C'est le frein, c'est la réflexion, c'est la maturité. C'est la patience, la sagesse, la connaissance. Ici, vous êtes des êtres qui avaient besoin de reconnaissance. Vous avez besoin que vos idées ou une idée, ou vous allez avoir une nouvelle idée parce que vous avez besoin d'être reconnu dans votre travail, dans votre activité professionnelle. Parce qu'ici, il y a le boulot. Hein. Ici, il y a l'intellect. Tu vois? Et le Sagittaire, il a besoin d'avancer. Mais il a besoin aussi d'être en accord. Vous avez besoin d'être en accord avec vous-même, même avec ce que vous faites. Peut-être que vous êtes dans un métier médical, ou vous voulez aller vers un métier médical, ou vers la justice. Mais vous voulez apporter quelque chose en plus dans votre travail. L'intuition, l'humanité, la communication, la profondeur. Tu vois, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui veulent reprendre des études. Parce qu'ici, on voit des livres et un diplôme. Mais en tout cas, il y a beaucoup la communication écrite, mais aussi orale. Peut-être que vous voulez devenir professeur. Peut-être que vous voulez faire des conférences. C'est possible. Et vous avez peur. C'est ça aussi, là. Donc, ça va être une période... vous allez faire le tri, vous allez peut-être mettre sûrement de côté des choses stupides, parce que des fois on a des petites choses qui nous empêchent d'avancer et qui nous bloquent et qui nous déstabilisent. Et ici on va vous dire que dans votre intellect, dans votre projet, vous allez voir les choses qui sont nécessaires aussi pour vous. Alors avec l'oracle de... je ne sais plus... alors attendez, je vais pousser tout ça pour voir les titres. Je crois que c'est celui-là, non? Faites voir.
c'est pas celui-ci. Parce que j'ai mis tout par terre parce que voilà, c'est l'oracle, la sagesse de l'oracle, mes amis. Voilà, de Colette Baron Reid. Alors, qu'est-ce que vous avez? La tribu. Alors, regarde, tu vois, le penseur, vous réfléchissez beaucoup, hein, et la flexibilité. Peut-être qu'ici, vous êtes embriqué dans des... Peut-être que vous sentiez, vous êtes... C'est pas que vous vous êtes senti bloqué. Peut-être qu'ici, il y a eu quelque chose qui vous a bloqué, une administration ou un patron. Parce que ici, Saturne, c'est ce qui freine, je vous l'ai dit. Ici, c'est l'administration. Regardez les papiers. Il y a la loi ici, tu vois. Il y a un sceau. Vous savez, vous avez peut-être été bloqué, retardé ou retardé dans un projet créatif, quelque chose que, qui vous tient à cœur, que vous rêvez depuis longtemps. Et ça vous a quand même tracassé. Ou peut-être que c'était dans une... tout simplement pour vous inscrire quelque part. Et il y a eu un petit contretemps qui a été désagréable. C'est possible. Ou, ça, exemple, je vous donne un exemple, c'est peut-être un de vos enfants qui s'est inscrit dans une fac et il n'y avait pas de place pour cet enfant. Il a dû faire quelque chose d'autre, s'inscrire dans une autre école. Et là, ça vous a contrarié et là, peut-être quelque chose qui va se débloquer. Il suffit d'y aller. Allez-y. N'ayez pas peur. Excusez-moi. Excusez-moi. Viens ici. C'est ma Tesla qui fait des bêtises. Viens. Ça, c'est méchant. Viens, mon bébé. Ben oui, mais tu fais des bêtises. Alors, la tribu. Parce que je dis ça, cet exemple, parce que la tribu, ben, c'est peut-être votre tribu, vos enfants. Donc, ça touche peut-être quelqu'un. Il y a peut-être une démarche qui va se débloquer pour l'un de vos enfants. C'est possible. Réfléchissez beaucoup. Hein. Et on vous dit, arrêtez de vous prendre la tête en vous mettant des obstacles. On nous en met assez des obstacles. De toute façon, on n'a que des obstacles, c'est non, 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 tais-toi, voilà. Donc, ici, c'est pas la peine de vous en rajouter une couche. On vous dit d'être plus souple, d'être plus souple. Vous savez, dans la vie, on est obligé de lâcher prise sur des choses et puis de se dire, oh, puis flûte. Parce que des fois, la situation, ben non, c'est pas sur une route, une autoroute, non. On est obligé d'attendre, on est obligé de passer par une route à côté ou à droite ou à gauche pour pouvoir aller vers son objectif. C'est comme ça. Tout n'est pas droit dans la vie. Non, tout n'est pas réglé comme du papier à musique. C'est faux. Alors, il y en a peut-être, c'est comme ça, tant mieux pour eux, mais pas pour nous. Voilà, donc on est toujours, vous êtes tout le temps obligé de réfléchir ou de composer ou de chercher. Vous êtes quand même très... très rapide. Vous avez un esprit efficace, rapide. Vous trouvez les solutions. Ou il y a quelque chose auquel vous réfléchissez pour partir, pour mettre en place peut-être quelque chose avec un partenaire, une partenaire. Alors, c'est pas toujours sentimental. Tu vois ? On dit que vous allez devoir... être flexible dans quelque chose. Et peut-être que, justement, cette nouvelle lune en balance va vous permettre d'être plus souple, de trouver des choses pour pouvoir vous mouvoir dans votre projet. Moi, je sens que vous êtes aussi... vous êtes des personnes droites, très droites, intègres, tu vois ? Réfléchissez beaucoup et surtout vous êtes dur avec vous-même, peut-être trop rigide. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a cette carte de flexibilité, tu vois. Sois cool, essaye. Parce que tu sais, dans la vie, quand on a des enfants, lorsqu'ils sont grands, ils font des trucs, tu comprends pas et ça te stresse. C'est peut-être ça. Hein. Mais là,
Tu vas penser autrement et tu vas trouver une solution. Moi, c'est ce que je ressens. Ou c'est vous-même, bien sûr, puisque ça vous concerne, c'est dans votre activité professionnelle où vous réfléchissez beaucoup. Il sera peut-être question d'avoir des élèves, d'un public. En tout cas, c'est une ouverture, quelque chose qui va s'ouvrir vers des personnes étrangères. C'est ce que vous souhaitez, en tout cas. Quelque chose qui s'ouvre au monde, c'est ce que vous voulez. Hein. Tu vois, c'est quand même un début de cycle. Hein. Une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. La balance, ça peut être un nouveau cycle romantique. C'est quand même l'amour. Sa planète, c'est Vénus. Alors, avec l'oracle de justement de la lunaison, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Tu vois? Vous êtes en train d'atteindre votre but. Mais je sens qu'il va falloir beaucoup de flexibilité. Il y a un nouveau départ et je vous assure que ça va quand même déménager. Vous l'avez demandé, ce changement. Vous avez aussi peut-être dit dans vos intentions que vous en aviez marre de cette routine. Alors, vous allez voir, ça va bouger, ça va se transformer, mais... Ayez un esprit flexible et grand ouvert. Ok, c'est de s'adapter en fait aussi. Faut s'adapter. Avec l'oracle de la puissance de la lune, d'Isabelle Serre. Eh bien, vous avez la pleine lune en taureau. Peut-être qu'au moment de la pleine lune en taureau, il va y avoir des choses que vous allez encore lâcher. Et peut-être que en pleine lune en taureau, vous allez peut-être aussi. Il y a des ouvertures vers l'étranger, hein, vers l'étranger, où c'est peut-être un étranger qui arrive dans votre vie et qui va ouvrir les portes. Vous voyez? De toute façon, le taureau, c'est un être. Comment dirais-je? C'est un signe de terre, hein. Volontaire, il est très volontaire, il est très fonceur aussi, dans la lenteur aussi, il réfléchit beaucoup. Ça c'est sûr, il fait pas n'importe quoi. Il est tenace, quand il veut ça, il veut ça. Il l'obtient. Hein. C'est peut-être au moment de la pleine lune en taureau où il y aura des choses encore plus concrètes aussi. Hein. C'est possible, hein, tu vois. Alors, avec les rebelles sacrés, tu as quoi? Soyez le chasseur, pas le chassé. Ici, on te demande de ne plus être la victime, parce que tu sais ce que tu sais, parce que tu es intelligente, intelligent, tu as des connaissances, et tu sais parfaitement ce que tu fais. Ici, tu as peut-être attendu aussi l'avis des autres, mais là, on te dit non. Et va, tu vois, ce qui en vaut la peine. Tu t'es pris peut-être... Moi, je sens que vous êtes des personnes fonceuses, tenaces dans ce que vous souhaitez, pleines de créativité, mais vous avez été freinées par l'avis des autres, peut-être, parce que vous avez laissé peut-être des personnes rentrer dans votre espace qui vous ont fait perdre du temps. Ben ouais, qui vous ont fait perdre du temps. Parce que là, cette vidéo, elle est pour vous, personnellement. Ou ça peut toucher un être cher, un enfant, un être que vous aimez, un parent, etc. Mais là, il faut aller vers ce qui en vaut la peine pour vous. Et ne plus être le chassé, mais le chasseur, on vous le dit bien. Vous avez une grande intuition. Vous avez une grande protection. Parce qu'il faut aller vers les choses qui en valent la peine pour vous. Il y a encore une petite chouette. Vous avez des intuitions, vous avez des messages. Écoutez-les. Je pense qu'ici, vous avez assez pleuré. Vous avez assez écouté aussi des gens qui couinent. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est bon. Hein. Alors, quel guide, quel chaman, quelle puissance va vous aider justement, qui est à côté de vous? C'est le Seigneur. Assumez avec autorité. Il vous faut de l'autorité, mes amis. Pas écraser les autres, non. Mais une autorité pour vous-même. Et là, il y a ce Seigneur qui est avec vous, qui va vous permettre de vous faire respecter et de vous faire apprécier, de vous faire rec d'être reconnu et d'être aimé.
comme vous devez être aimé. Mais vous devez vous protéger en partant, en quittant certaines énergies là qui sont peut-être auprès de vous et que c'est pas bon. Je vais vous donner trois petits messages de la lune, de la magie de la lune. On vous dit quoi? Jupiter. Et vous, non mais c'est fou. Et vous avez le Sagittaire. Donc c'est l'expansion. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ta pensée, tes rêves, ton ambition. Tu vois? Et on te le dit ici. Soyez le chasseur, pas le chassé. De rester tenace, obstiné dans ce que tu veux. Tu vois? Parce que tu peux l'atteindre, tu le sais. Sois ce seigneur pour toi-même. Tu vois? Deuxième petit message, l'équilibre. Ben oui, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse, plus la paix se déploiera autour de toi. Moi, je sens plus que tu penses beaucoup, c'est beaucoup dans ta tête, mais tu n'arrives pas à mettre en œuvre, être dans le faire. Parce que tu as peur, parce que tu as été négligé, peut-être que tu as été humilié, peut-être qu'on a dit « mais non, tu n'es pas capable », si tu en es capable. Et le troisième petit message, c'est Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi, tu vois, ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. C'est tout à fait ça, hein. Hey. Sois le chasseur, pas le chassé, d'accord? Et tu vas vers ce qui vaut la peine, ce qui en vaut la peine pour toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu vois? Avec l'oracle, le Béline, tu as la paix. Eh bien, c'est ce que tu veux, la paix. La paix de ta tête, la paix dans ta vie. Tu as le feu. Waouh, tu es passionné, toi, hein? Tu as le trafic. Tu as la stérilité. Oh, t'as l'amour. Ouh, oh, oh, mes petits. Et tu as la trahison. Bon, alors. Peut-être que ici, bon, toi, tu es quelqu'un de passionné dans ce que tu fais. Et tu veux mettre encore plus de passion dans ton activité professionnelle, dans quelque chose que tu veux créer. C'est toi qui vois. Hein. Et tu aspires à la paix, à l'équilibre, mais aussi à la reconnaissance. Tu vois, il y a des lauriers ici. Tu mets tout ton énergie là-dedans, tu vois. Moi, il y a le trafic, donc il y a quelque chose qui va démarrer ou qui redémarre dans ton activité professionnelle. Ça va t'apporter la paix, l'équilibre, la stabilité, ok. Il y a l'amour, tu mets tout ton amour au niveau professionnel, hein. Ça, c'est vrai, hein. Par contre, il y a eu peut-être un moment de pause, il n'y a rien eu dans ta vie au niveau sentimental. Parce qu'il y a eu une trahison dans ton cœur. Tu as souvent été trahi, amicalement, professionnellement, par des collègues, mais aussi sentimental. C'est ce qui t'a fait du mal. C'est pour ça qu'il y avait cette stérilité. Et là, on te demande de faire la paix avec ça. Parce qu'il va y avoir une rencontre. Tu vas faire une rencontre sentimentale, toi. Il y a quelqu'un qui va bouleverser ta vie. Qui va t'apaiser tes peurs, tes angoisses, tes trucs là. Ouais. Alors, avec l'oracle des chats. Il est où? Il est là. Je vous montre. J'adore. L'oracle des chats fantaisie. J'adore. Il y a une petite fée, regarde. C'est beau. Hein. C'est de Paolo Barrieri. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez... l'attitude, désir de transformation. Bah oui, c'est ça, hein, tu veux changer des choses dans ta vie. J'adore ce mot, se réenchanter. Parce que tu as peut-être perdu de ta joie de vivre, hein, avec tout ce que tu as traversé et tout.
Je sens que tu as... Ah ouais, d'accord, ouais. Parce que tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, hein, il y a beaucoup, tu sais, il y a Saturne. Et Saturne, c'est quoi? C'est l'administration, c'est le frein, c'est la sagesse. Tu as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves qui t'ont désenchanté, qui t'ont fait perdre ta joie de vivre, ta spontanéité. Tu vois? Et là, regarde, il y a la lumière ici qui est là. T'as envie de la retrouver, cette joie de vivre, cette créativité, parce que ça revient dans ta vie. Mais je dirais que tu as envie de changer d'attitude, désir de transformation, parce que tu as été très sérieuse. Ça a été droit, 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 rigide, la tête dans le guidon. Mais là, aujourd'hui, tu veux transformer tout ça pour réenchanter ta vie et ton être. Parce que tu es un être enchanté. C'est vrai. Tu es un être enchanté. Tu es une enchanteresse, un enchanteur. Tu es très sensible. Tu es très créatif. Tu as l'énergie sauvage de midi. Tu vois, il y a le soleil. Quelqu'un qui aime le soleil aussi. Il y a une grande transformation. Je dirais qu'ici, il y a beaucoup de choses qui ont changé cet été. Il y a une nouvelle énergie de ton côté rebelle qui est revenue. T'en as ras-le-bol, c'est bon. T'as fait ton travail, t'as apporté tout ce que tu voulais. Maintenant, tu veux t'apporter des choses riches, solaires, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, regarde. Tu as la délicate sensation de la nuit. C'est ce que tu as traversé. Tu as appris la sagesse, la patience, la rigueur, le sérieux. Tu l'as appris tout ça. Tu n'as jamais perdu de ton intuition, tu vois, de tes émotions, ton côté yin. Et là, c'est ce qu'on te dit. C'est de réveiller ton côté yin. Et c'est ce dont tu as envie. Avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami. Papillon de lune, la protection. Tu es hyper protégé, toi. Hyper protégé. T'as un grand guide, un grand ancrage, une grande énergie puissante qui te protège. Tout le long de tes. Ouais, de tes. Ces événements, de tous ces événements dramatiques, difficiles, ben, cet ange était là, avec toi. C'était pour te transformer, pour montrer qui tu es. Je sais, c'est dur. Pour aller vers la stabilité, le 3 et le 3 et le 1, 4, pour aller vers la stabilité. Ouais, oui. Joker. Tout à fait. Je pense que vous avez besoin de faire une pause, de souffler, parce que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup donné dans votre travail, mais pas uniquement. Vous avez beaucoup donné en amour de votre tribu, de votre famille, en écoutant aussi les autres. Et là, peut-être que ce temps de pause, c'est l'instant, le moment pour vous de vous demander ce qui vous ferait vraiment plaisir. Tu vois? Tu vois? Nos habitudes de vie novice. Tu vois? Ah oui! Comme une novice, comme quelqu'un qui est au Carmel. Tu vois? T'as goûté un peu à tout. T'as été obligé de t'adapter à plusieurs situations, à plusieurs événements qui n'étaient pas très agréables. Peut-être que là, tu dois aller vers ton indépendance, vers ton individualisme. Tu vois? Parce que tu es quelqu'un de très en patte. Alors, tu vois, écouter son cœur et apporte ta différence. Et oui. Apporte ton originalité, montre ton originalité, développe une idée originale, ça va être super. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur, tu vois? Écoute,
Si tu rencontres quelqu'un, écoute ton cœur, pas ta tête. Apporter une différence. Ma lumière est intérieure, brille tout autour de moi. Et oui, tu es un phare, tu es une étoile, tu es un soleil. Peut-être qu'ici, vous avez été souvent embêté par des gens jaloux. Ouais. Avec l'oracle de la femme, qui est toujours disponible, hein, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous avez, vous? Oh, regarde, tu as ton ange gardien, comme ici. Avec le, tu sais, l'oracle de la chrysalide. Oh, c'est fou, hein. Attends, je montre. Où est-ce qu'il est? Merde, je trouve plus, bon. Il est où? Tiens, regarde. Tu te rends compte les puissances protectrices que tu as auprès de toi? C'est fou, hein. Tu as la délivrance. Et tu as... Parce que tu étais enchaîné à quelque chose. Mais c'est toi hein, qui t'étais enchaîné à quelque chose ou tu as été enchaîné par une situation, un événement, une personne. Et là, tu as la délivrance. C'est beau, hein. Avec l'oracle de... C'est quoi ça? Je ne sais plus. Alors, de Gaïa. Qu'est-ce que t'as? Lost. T'as la résurrection. Hein. T'as la résurrection. T'as la résurrection. Tu vas renaître à ta vraie nature. À ta vraie lumière. À ta vraie croyance. Tu vois? En douceur, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pleurs peut-être ici, de tristesse. Il ne faut pas être triste. Quel est l'animal qui va t'accompagner, qui va t'aider aussi? Ben, c'est le Jenko. C'est la chance, c'est l'opportunisme, pas l'opportunisme, les opportunités, l'optimisme, c'est aussi la vérité, la mobilité, les synchronicités, tu vois. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent vers toi. Tout à l'heure, je te l'ai dit, il y a une ouverture vers le monde, vers l'étranger, vers des nouvelles personnes, mais des personnes joyeuses, lumineuses, qui sont proches de ton énergie, qui vont te permettre aussi d'être toi-même, qui vont te réchauffer le cœur. Tu vois? Alors, avec quelle pierre peut vous aider aussi dans cette nouvelle lune en balance? C'est le quartz clair, un amplificateur. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Mais là, ça va être tout en douceur, tout en douceur. Quelque part, c'est aussi pour vous montrer, non, ça, je ne le tolère plus, donc j'arrête. C'est terminé, je ne supporte pas, ça ne me plaît pas, ou j'ai pas envie que cette personne vienne me déstabiliser. Vous allez le dire, vous allez vous exprimer, vous allez enfin le sortir de chez vous, de votre maison, de votre intérieur, de votre cœur. Avec les hautes vibrations, vous avez souri à la vie. Tu vas ressourire à la vie. Il y a des émotions positives, tu vois. Mais il y a des pratiques spirituelles, peut-être que tu vas mettre en place des méditations, du yoga, peut-être que tu vas porter des pierres, peut-être que tu vas faire quelque chose de spirituel, mais qui est proche de ta spiritualité. C'est important, spiritualité, il n'y en a pas qu'une. Et puis, on a chacune notre façon de faire, et chacun. On pratique le yoga différemment, même si les positions sont les mêmes. Mais on va peut-être pas les faire dans le même sens ou enfin dans le si on va le faire dans le même sens bien sûr, mais on a sa façon de se poser, notre corps il est peut-être pas très flexible ou justement ça va te permettre d'être plus flexible, tu vois. Voilà. Et le message des anges, tu as qui? Oméga. Victoire. Vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. C'est pas beau, ça? Donc, tu vas y arriver.
Tu vas y arriver. N'oublie pas, tu vas avoir tout ce que tu souhaites, tu vas le réaliser. Tu vas l'avoir dans la matière, quoi. Voilà pour le groupe 1, mes amis. C'est génial. Manasté, mes amis. Alors, pour le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le chat qui porte bonheur. J'ai mis claque. J'espère que vous allez bien, mes amis. On y va pour vous. Alors, je voudrais quand même vous lire parce que je l'ai fait au groupe numéro 1, mais je vais le faire au 3. Il y avait une carte qui est restée sur le côté, dans la boîte. Et je vous la lis parce que c'est pour tout le monde, c'est même pour moi. C'est la carte des guides. Observez-vous sans vous juger et soyez honnête avec vous-même pour mettre en lumière votre zone d'ombre. Peut-être que là, en pleine lune en poisson, ça a été le cas et ça n'a pas été facile, cette pleine lune en poisson. Ici, la nouvelle lune en balance va nous apporter une vague de douceur, mais de justice, de justesse, de créativité, de beauté. Ça va faire du bien. Alors, pour ceux qui ont choisi donc le chat qui porte bonheur, mais tous les chats portent bonheur. J'adore. Alors, j'ai pris les cartes de l'oracle, de l'astrologie intuitive, transformation et évolution. Alors, j'ai pris une carte dans les signes astrologiques pour voir un petit peu quel secteur, et parce qu'il y a aussi le signe astrologique correspond à une maison, à un secteur dans l'astrologie, et je voulais voir un petit peu quel secteur peut-être avait été touché. Peut-être que c'est ce secteur qu'il faut travailler et qui va évoluer aussi, tu vois. Et toi, c'est la maison 1, c'est le bélier. La maison 1, c'est ce qui nous concerne, nous, notre âme profonde, notre personnalité intérieure, en bélier. Donc toi, le bélier, c'est Mars. C'est aussi la volonté, c'est l'énergie volontaire, c'est le départ, c'est le courage, c'est la réussite. Tu as envie de réussir. Peut-être qu'il y a eu des moments difficiles. Il a fallu mettre les mains dans le cambouis, comme dirait l'autre. Il a fallu attendre où tu t'es pris des portes dans le nez. Tu vois, le bélier, c'est ça. C'est un fonceur, hein. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui réussit toujours, mais des fois, il se prend des portes dans la figure. Hein, ça fait mal, hein, ça. Mais c'est quelqu'un aussi, attention, qui a un courage extraordinaire, une volonté incroyable. Et c'est aussi quelqu'un qui se relève et qui redémarre. Hein. À la clé, il a la réussite. C'est ce qu'on te dit. Il y a peut-être eu des choses, je te dis, il a peut-être fallu pour toi commencer par le bas de l'échelle pour monter petit à petit les grades, les rangs, l'échelle. Alors, tu as quoi comme... Il y a toi, il y a la consultante, il y a l'esprit féminin, le yin. Ou, monsieur, c'est une femme qui rentre dans votre vie, ou c'est une femme à côté de vous, qui vous aide, qui vous soutient peut-être, tu vois. Quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est là-haut. Tu as Uranus et tu as Neptune, hein, toi. Tu as Uranus, ça c'est la planète du Verseau, qui avance tout le temps, qui a toujours de nouvelles idées. Lui, il y va, hein. Il fonce. Il y a la rapidité, tu as l'originalité, tu as les voyages, tu as aussi le contact avec les autres aussi, tu vois. Tu vois loin, toi. T'as Neptune qui est la planète de la réceptivité, des intuitions, des illusions aussi peut-être. Et ici, tu as... alors, c'est le médecin pharmacien religieux. Alors ici, ouais. Peut-être qu'ici, tu dois prendre soin de toi. T'as peut-être été un peu souffrante. T'étais peut-être fatiguée, c'est peut-être énergétiquement. Tu vois ? Peut-être qu'ici, tu es dans la médecine, dans la pharmacie. Tu vois, peut-être, tu veux y être.
peut-être des études à reprendre, et c'est difficile, ces études de médecin. Mais on te dit que tu as la réussite. Tu as la réussite à la clé, là. Peut-être que tu es tombé plusieurs fois, ou tu as redoublé, ou je sais pas, tu vois. Peut-être. Mais ici, vous avez peut-être eu des coups de pompe, hein. Vous avez été fatigué. Peut-être que vous avez douté. Peut-être que vous avez besoin aussi tu sais, de retrouver une santé. Et ben, vous allez la retrouver. Parce que vous allez être plus doux avec vous-même. Parce que ici, moi, j'ai l'impression que si vous avez eu des soucis énergétiques, de santé, c'est parce que vous avez besoin de liberté. C'est ce que je ressens. Vous avez une demande, une grande soif d'indépendance et de liberté dans vos idées, dans votre vie au quotidien. C'est ce que je ressens. Et peut-être qu'on vous a dit, ouais, mais tu rêves, mais non, c'est pas possible, parce que ton projet, tout ça. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Testez, goûtez, expérimentez, on nous dit. Alors allez-y, sortez de votre cage. Et surtout, n'écoutez pas les autres. Tu vois? N'écoutez pas les autres. C'est peut-être une femme qui va vous permettre d'ouvrir votre porte. Ou il y a peut-être une femme qui vous aide. En vous écoutant, en vous guidant. Les connaissances profondes, il y a peut-être, tu vois, un nouveau départ vers quelque chose que l'on apprend. Ou qu'on ressent. Attention, le Verseau, il est quand même très, très intuitif. Il perçoit des choses. Il voit loin, lui. Tu vois? Faire le ménage. Peut-être que tu dois faire le ménage en toi, certes, mais aussi à l'extérieur de toi. Tu as beaucoup observé, on te dit d'observer. Et c'est comme ça que tes connaissances vont s'approfondir. Et en faisant le ménage, en dégageant des personnes là qui sont toxiques. Et déjà, tu te sentiras mieux. Il y a peut-être une femme, hein, ou une personne qui a vraiment une énergie très yin qui va t'y aider, hein, tu vois? Vers ta réussite, vers ta conviction que tu d'indépendance, de liberté. Hein. Avec l'oracle de la lunologie, les conclusions sont à portée de main. Éclipse de la pleine lune. Peut-être que tu l'as déjà fait, ce tri, et que tu observes actuellement. Tu sais, tu peux très bien, on dit médecin, tu peux très bien te lancer dans quelque chose avec les plantes ou autre chose, le magnétisme, les soins énergétiques, tout ça, ça fait partie, les pierres, la litho. Mais là, tu vas arrêter quelque chose, toi. C'est nécessaire pour ton équilibre, ta santé, ton... Ouais. Tu vois, la pleine lune en Gémeaux. Peut-être que lorsqu'il y a eu la pleine lune en Gémeaux, il y a beaucoup de choses que tu as mis en place, où tu as perçu, où tu as senti cette liberté, cette demande de liberté, cette demande de libération aussi, tu sais. Tu conclus quelque chose ici. Tu vas conclure. Peut-être que tu vas conclure quelque chose qui est lié avec une femme. Hein. C'est possible. Hein. Tu fais le ménage. Hein. T'observes. Mais t'observes pour voir loin dans l'avenir. Tu vois? Parce que tu as des connaissances, des ressentis qui sont très forts. Et tout ça, c'est pour aller vers une liberté, une indépendance dont tu as besoin. Le bélier, c'est un signe de feu, il est très indépendant aussi. Hein. Tu vois? Très. Bon. Donc tu vas vers une liberté, une indépendance totale, parce que tu en as besoin. Tu as besoin d'être seul, ou tu as besoin d'être indépendant dans ton travail. Mais tu vas le faire. Hein. Tu vas y arriver. Hein. Avec l'oracle des rebelles. Confiance en soi, ben oui, et confiance en toi. Où il y a de la confiance en toi qui va revenir. Ça, c'est bien ça. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre.
l'amour pour toi-même. Apprendre aussi à s'aimer pour aimer les autres. Peut-être quand tu as déstabilisé, tu avais perdu confiance en toi. Hein. Mais c'est professionnel, ici. C'est artistique. Quel est le guide qui va t'aider? Ben, c'est la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. T'es clairvoyante, clairvoyant. Tu sens, tu vois des choses. Et confiance. Peut-être que tu as besoin de consulter. Hein, ou tu as quelqu'un dans ta famille qui fait de la voyance, qui tire les cartes, ou je sais pas, qui peut te guider aussi, hein, tu sais. Mais oui, avec le Béline. Tu vois, il y a eu des gens qui ont voulu te mettre par terre. Hein, des jaloux. Hein, la jalousie. Hein. Tu vois, tu as découvert des ennemis, une trahison. Hein. La constance. Tu vois? Ben oui. Peut-être quelque chose dans un partenariat. Ben, sur un contrat, quelque chose. Hein. Ou peut-être que c'est sentimental. Il y a eu des gens qui ont voulu vous séparer. Tu vois, par la jalousie, parce que vous êtes un couple qui vous aimez. Et ça, la jalousie, c'est terrible, mes amis. Ça détruit toute une vie, plusieurs vies. Je le sais. Vous avez l'étoile de l'homme. Vous avez donc cette énergie yang que vous êtes en train de vous découvrir. Votre force, votre courage, votre objectivité. Vous trouvez enfin là où vous voulez aller. Là, on voit le soleil. On voit les choses s'éclaircir dans votre vie. Et vous êtes protégé. Regardez, il y a la petite chouette. Hein. C'est peut-être votre animal totem. Hein. Elle est encore là. Hein. Vous êtes sage. Vous avez appris à vous taire. Vous avez appris aussi à être discret, discrète. Parce qu'il y a eu des gens jaloux. Et moi, je sens qu'il y a des gens qui ont été jaloux de votre réussite professionnelle, financière, peut-être aussi sentimentale. Et on vous a tout cassé, là. Je ne sais pas, il y a eu un truc, là. Hein. Vous avez découvert les personnes qui vous ont fait du mal. C'est pour ça, tout à l'heure, on a dit, faites le ménage. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas qui ont été provoqués à cause de ces personnes. Tu vois? Terminé. Parce que maintenant, vous savez. Vous savez qui vous êtes. Vous savez la lumière qui s'émane de vous. Vous la connaissez, vous la voyez. Vous vous protégez maintenant de personnes d'extérieur. C'est terminé. Vous savez, on dit toujours, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est la vérité. Je vous assure. Regardez, avec les messages de la magie de la lune, vous avez l'intuition. Et oui, je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de ressentis. Vous êtes très intuitive, très intuition, très, très intuitive et très clairvoyant aussi. Peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose, parce qu'on a quand même la voyante aussi ici. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance, tu vois. Eh oui, reprends confiance. Tu sais? Où est-ce qu'elle est? Reprends confiance à toi-même. Et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Ouais, arrête de te poser 36 milliards de questions, mais nous sommes humains, c'est comme ça. Hein. Deuxième petit message. Tu as le signe du cancer, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, et tu as le droit de la montrer, cette fragilité. Plus tu t'autorises à exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et oui, on n'a pas à cacher ses émotions ou à dire on est fatigué ou non, là ça va pas, je doute, et de parler, de s'exprimer. Oh, tu as l'amour. Hein. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres.
Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Tu vois, même s'il y a eu des perturbations, parce qu'il y a des stupides idiotes qui ont venu perturber, le plus important, c'est quoi? Qu'est-ce qui ressent ton cœur? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? C'est des gens qui t'ont dit des choses qui vont te faire douter? Ah bon? Et cette personne qui est en face de toi, avec qui tu vis, que tu aimes sincèrement, tu crois pas? Ou tu ne la crois pas? Bien, tu vois, on remet les choses en équilibre. Ce sont des détracteurs. Tu vois ceux qui font ça. Par jalousie. Alors, avec l'oracle des chats fantaisie, tu as l'enthousiasme frais du matin, le printemps. T'es quelqu'un de très optimiste. T'es quelqu'un qui a envie d'avoir un coup de fraîcheur, un coup du changement. De joie, de dynamisme, de magie aussi. Tu vas la voir rêver et se lancer. Tu vois, ce nouvel enthousiasme, c'est que tu veux te lancer dans quelque chose dont tu rêves depuis longtemps. Tu vas faire, hein. Et vas-y, on te dit vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois, avec l'oracle de la chrysalide. La lune, ben, l'intuition et les rêves. C'est fou. Hein. Beaucoup de signes d'eau ici. Hein. Beaucoup de personnes réceptives, émotives, sensibles, intuitives. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. Tu vois? Douceur. Comment peux-tu manifester ta douceur envers toi-même? Bonne question, non? La douceur. Tu vas te rééquilibrer aussi en t'apportant de la bienveillance, de la douceur et en apportant aussi de la douceur à ton entourage. Beaucoup de douceur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est important. Et aussi, en pratiquant peut-être la méditation aussi, où tu auras tes réponses. Hein. Tu vois? C'est beau, hein? Alors, avec l'oracle, celui-là, c'est, je ne sais plus. Si c'est les portes des mondes mystiques, à chaque fois, je donnais de sa personne. Peut-être que, tu vois, tu as donné beaucoup de ta personne, peut-être, parce que tu es un être très généreux, très généreuse. Mais là, tu vois, tu as même dépassé tes limites. Mais ici, dépasse-les pour toi, pour t'apporter cette bienveillance, cette douceur. Sois généreux avec toi-même. Sois généreux avec toi-même et tu t'élèveras vers l'excellence. C'est beau, hein? Ouais, t'es peut-être sur tous les fronts, toi. Hein. Il y a le zèbre, hein, quand même. Tu vois, il y a avec l'oracle de la femme, l'oracle que j'ai créé, qui est toujours disponible, tu as l'introspection. Beaucoup réfléchi, tu as observé, tu t'es observé. Et il y a la mort et la renaissance pour aller vers ses objectifs. Pour être heureux, pour être heureuse, pour faire quelque chose, créer quelque chose que tu aimes, peut-être en relation aussi avec les autres, pour apporter du bien-être, pour apporter de la bienveillance, bien sûr. Donner de toi-même, mais aussi donner pour toi. Donner aux autres, mais donner pour toi-même. C'est ce qu'on te demande ici, de doser. Tu vois? La dose. Avec l'oracle de Gaïa, tu as la libération. Tu te libères de beaucoup, beaucoup de choses, toi. Tu te libères... Tu te libères de liens négatifs, de personnes toxiques, de croyances toxiques, de croyances, on t'a fait croire des choses. Ouais, t'es nul, t'es naze, mais non, tu vas pas y arriver, mais tu rêves. Non, tu vas te libérer de ça et tu vas y aller. On te le dit, vas-y, va vers ton objectif. T'as là une libération incroyable. Et il y a quand même la colombe, donc il y a une paix intérieure.
quel animal va te guider, va être auprès de toi, tu vas peut-être te rencontrer, je ne pense pas, parce que là c'est un python, vaut mieux pas. C'est d'avoir le discernement. Cette nouvelle lune en balance va t'apporter le discernement, le détachement aussi, la transformation et le renouveau. Il y a une guérison, une grosse guérison là, du cœur. Une guérison des choses toxiques, des liens toxiques, tu vois, des contacts toxiques. Quelle est la pierre qui va t'aider, qui peut t'aider en la portant? C'est la calcite. Elle est plutôt jaune, la calcite. Des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Donc il y a peut-être je te l'ai dit, un temps de pause pour aller vers ses priorités, mais aller à son rythme. Bon, c'est vrai que des fois, on a beaucoup de choses à faire en même temps, mais il faut les assumer. Prends déjà les choses qui sont principales. Mets de la valeur là où doit être mis la valeur. C'est ce qu'on me dit. Le reste, ça peut attendre. Avec l'oracle de la haute vibration, tu as la force. Wow. Tu vois, être au service de soi. Occupe-toi de toi. Tu vois, prends soin de ton corps. Tu vois, tout à l'heure, on avait la médecine. Hein. Il faut que tu prennes soin de toi. Tu vois? Où est-ce qu'elle est? Ah, je sais pas. Attends. Tu vois, il y avait la carte de la médecine. C'est aussi prendre soin de son corps, prendre soin de ses énergies. C'est très important. Hein. Je le trouve pas. Tu sais, c'est de trouver un équilibre. Et moi, je sens que il va falloir faire un tri dans tes personnes. Tu l'as peut-être déjà fait. Tu es en train de. Ton corps, tes énergies, tes vibrations sont en train de se rééquilibrer pour voir maintenant qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et le message des anges, t'as quoi? Chantal. Bonjour Chantal. Un nouvel amour s'annonce. Waouh! Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. C'est possible aussi, bien sûr. Soyez prêt à recevoir et à donner de l'amour. Peut-être qu'ici, toi, tu es tout seul, tu as envie d'aimer, tu as envie de rencontrer quelqu'un parce qu'il y a eu un échec où on a brisé ton couple par de la jalousie. Et là, on te dit que tu vas rencontrer quelqu'un. Une rencontre importante dans les couples, ben on te dit que la flamme va se réanimer. Et ça, c'est merveilleux, merveilleux. Voilà, mes amis. Du choix numéro 2, on va passer au choix numéro 3. Et nous passons au troisième choix, le Bouddha de la joie. Alors, mes amis, j'ai eu une carte qui était là, tout près de mes yeux. C'est la carte des guides, des anges. Observez-vous sans vous juger et soyez honnête avec vous-même pour mettre en lumière vos zones d'ombre. Ben, c'est ce qui s'est passé avec cette pleine lune en poisson, hein. Ça a été compliqué quand même. Hein. Donc, j'espère que vous allez bien. Mais mon petit choix 3, et on y va. On va voir tout de suite vos messages pour cette nouvelle lune en balance. Alors, j'ai pris des cartes de l'oracle de l'astrologie intuitive. Alors, j'ai pris une carte qui correspond au signe astrologique et au secteur, aux maisons, pour vous. Alors, on va voir quel est le signe et le secteur. Waouh, c'est le lion. Maison 5, les plaisirs, les enfants, la maison, l'amour que l'on porte pour sa famille, l'amour qui vous anime, la passion dans ce que vous faites, votre travail. C'est tout ce qui est amitié, affectif, sentimental, amour inconditionnel. Vous avez le lion.
Ici, ce que je ressens, c'est peut-être un nouveau chemin à deux. On va plus être seul. On va être dans le romantisme, dans les sentiments. Parce que vous avez fait un bout de chemin en solitaire. Et ici, regardez, il y a deux personnes. Il y a une puissance. On va se faire plaisir aussi. On a envie de se faire plaisir. On a envie de se récompenser. On a envie de pause, tu vois, et il est allongé, le lion, là. On a envie de se faire plaisir. On a envie d'avoir des plaisirs. Alors, quelles sont les planètes, puisque j'ai tiré d'autres cartes, pour voir un petit peu les planètes, il y a Saturne. Saturne. Waouh! Il y a eu peut-être ce Saturne rétrograde qui a été quand même. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez été bloqué. Vous avez eu. Oh, ça a été difficile. Oh, c'est ce que je ressens. Il y a eu une solitude qui a duré depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de frustration et beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Vous voyez, regardez cette carte, elle n'est pas très terrible. C'est quelque chose qui a fait travailler et vous libérer de choses karmiques. Il y a la roue ici. Pour renaître. Ou pour donner naissance à une nouvelle vie, à de nouveaux objectifs, de nouvelles envies. Mais ici, vous aviez eu un gros travail karmique à faire et vous avez dû faire un travail d'introspection ici. Peut-être qu'ici, vous en avez encore eu un de travail d'introspection, c'est sûr. Mais c'est pour refaire démarrer la roue pour votre destinée. Ça vous a appris la patience, la sagesse, la connaissance. Vous avez vraiment tout eu, ce que je ressens, tout eu. L'enfermement, l'enchaînement, la solitude, le manque. Le manque. Puis alors, des personnes qui ont abusé de leur pouvoir. Hein. Terminé. C'est fini, tout ça. Vous avez tout, tout, tout. N'oubliez pas, hein, vous avez le lion. Hein. Alors, sortez de vraiment de quelque chose qui a été long, pénible, difficile, laborieux, horrible. Ouais. Vous avez, il y a message dans une bouteille. Il y a l'orphelin et que la vérité soit. Moi, pour moi, vous êtes senti tout seul, abandonné. Peut-être que vous avez été rejeté ici. Il n'y a pas eu beaucoup d'aide dans cette période très difficile. Il n'y a pas eu d'ouverture vers l'extérieur. Il n'y a pas eu de main tendue. Mais on n'oublie pas, il y a le lion, c'est le soleil. Vous avez une force incroyable. Vous avez une lumière extraordinaire, mes amis. Vous avez eu la force de régler des choses au niveau karmique, mais pas que à travers des événements dans cette vie. Ça n'a pas été facile, toute seule ou tout seul. C'est ce qu'on vous dit. Et vous vous êtes senti abandonné. Vous êtes sorti vraiment. C'était dur hein, quand même. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Très difficile. Vous avez envoyé des messages à vos anges pour vous aider. Il n'y a qu'eux hein, qui vous ont aidé, qui vous ont tendu leur aile. Et donc, vous êtes sorti de la tête de l'eau. Hein. Et maintenant, que la vérité soit. Votre vérité. Vous explosez, vous. Vous ouvrez votre fenêtre grand et plaf! Vous illuminez tout le monde parce que malgré tout ce que vous avez traversé, vous restez avec un amour incroyable en vous. Un amour inconditionnel. Parce que vous vous êtes entouré de choses quand même qui vous ont aidé, peut-être d'animaux. Mais je sens ici que vous êtes des personnes
vous êtes retrouvé dans des situations, dans une situation dramatique, difficile. Vous étiez à terre, vous étiez seul. Il n'y a personne qui vous a tendu la main. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous avez prié, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé avec vos anges, vos archanges et l'univers. C'est ce que vous avez fait parce que vous n'aviez plus que ça. Et ils vous ont aidé en vous donnant une puissance et une force, en vous montrant votre force et votre lumière. Ici, que la vérité soit. Donc, vous êtes des personnes, il ne faut pas vous en raconter. Vous savez exactement de quoi vous êtes apte et capable. Et ce n'est pas ici pour la personne, il ne faut pas lui donner de leçons. Hein. Un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ici, la nouvelle lune en vierge. Ici, vous donnez, 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 donnez. Sans rien attendre en retour. Parce que vous êtes une personne comme ça. Vous êtes une personne très, 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 très élevée spirituellement. Hein. C'est ce que je ressens. Donc, vous donnez, 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 donnez. Ça, c'est ce que je ressens. Mais que la vérité soit. Pour moi, vous êtes très empathe, vous êtes très dévouée aux autres. Vous avez une grande écoute. Grande écoute de l'autre. Vous fermez parfois les yeux sur vos propres besoins. Et là, on vous dit de mettre de la lumière, justement, pour regarder ce dont vous avez besoin. Pour aussi vous ressourcer, pour vous occuper de vous, peut-être. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de penser à votre vie sentimentale. Peut-être que vous n'y pensez même pas. Mais pour vous faire des plaisirs, faire des choses sympathiques, partager des choses. Voyager, sortir, faire des trucs avec les amis. Tu vois ? Lune balsamique. Peut-être que les phases lunaires sont difficiles pour vous, ou elles ont été difficiles, piquantes. Je vais regarder la lune balsamique, parce que j'ai pas trop de... C'est ce que je ressens, lune balsamique. Alors, c'est quoi la lune balsamique ? Désolée. Alors, je vais trouver ou pas la lune balsamique, s'il vous plaît. Ils n'ont pas mis de numéro, alors c'est pas toujours évident de trouver les la lune balsamique. Elle est là. Peut-être que tu es vraiment une guerrière. Une guerrière, un guerrier. Peut-être que tu as besoin de souffler, là. De te faire des plaisirs. Tu as toujours lutté dans ta vie. Toujours. Tout le temps. Pour tes projets. Dans tes attentes. Tu as toujours des obstacles à surmonter. Ça suffit, quoi. C'est bon, hein. Tu vois ? Peut-être que moi, je sens que cette nouvelle lune en balance va te soulager d'oppression. Ouais. Elle va te soulager de choses oppressantes pour aller vers des plaisirs, de la joie avec tes enfants, ton conjoint ou des amis. Tu vois ? T'es solitaire, hein. T'es solitaire, toi, hein. T'aimes bien, t'es très sociable, t'es très ouvert, mais t'aimes être seul aussi.
C'est ce que je ressens. Mais tu es très généreux. Hein. Le lion est très, très généreux. Attention. Hein. Alors, avec l'oracle des rebelles, sacrés. Tu vois, libéré des jugements et libre d'aimer. Ici, il va peut-être falloir que tu surmontes quelque chose ou que tu sautes au-dessus d'une barrière, d'un préjugé, toi. Pour peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un et cette personne est peut-être plus jeune que toi. Ou n'a pas la même couleur de peau que toi, ou n'a pas la même origine. Ou, tu vois? Il va falloir te libérer de jugement. Confiance intérieure. C'est le lion, ça. Hein, le lion, il a confiance. Quoique des fois, il peut être angoissé, stressé. Hein. Il a peut-être une apparence d'être sûr de lui, mais au fond de lui, il est très sensible, hein, le lion. Hein. Une confiance intérieure, tu vois. Enlève ce voile pour te montrer et voir qu'on puisse voir ton visage en pleine lumière. C'est beau, hein. Quel est le guide? Quelle est la déesse? Quel est le maître qui va t'aider? Ben, c'est le maître Shaolin qui va être à tes côtés, là. Mettez de la grâce dans vos actions. Et oui, parce qu'on vient de vous dire, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière, vous êtes un combattant. Vous avez toujours dû combattre des obstacles. Une fois qu'il était combattu, il y en avait un autre. C'est terminé, c'est fini. On se pose, c'est la trêve, c'est l'arrêt de la guerre. Oui, l'arrêt de la guerre. On vous dit d'être beaucoup plus yin. Moins strict dans votre tête. Libéré des jugements, libéré, libre d'aimer. Sois toi-même. Tu aimes ce genre de peinture? Bah oui, j'aime. Même si l'autre, elle n'aime pas, bah, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Tu vois? Comment on me dit? Attends. N'essaye pas de te confondre avec les autres parce que tu n'es pas les autres. Voilà ce qu'on me dit. Avec le Béline. Il y a l'intelligence, la connaissance. Peut-être que tu vas encore apprendre des choses. Tu sais, il y a une élévation dans tes connaissances, dans tes vibrations. Ça peut être des connaissances professionnelles, intellectuelles, spirituelles aussi. Tu vois, on va quand même accéder au top du top. Hein. L'échelle est couchée là. Moi, ça me fait penser à ça. Il y a la table. Les plaisirs de table. On se réunit autour d'une table. Tu vois, il y a la ruine et l'eau. Peut-être que tu as une manie de te dévaloriser, toi. De dévaloriser tes idées, de dévaloriser ce que tu veux construire. Oh non, ça va pas marcher. Oh non, c'est moche. Non! Il y a eu un manque d'argent hein, ici. Hein. Manque de finances, manque ouais, d'éléments, manque de consistance aussi. C'est ça aussi. Il y a peut-être ce côté financier qui t'a empêché et qui t'a mis aussi des coupures, qu'on t'a freiné parce que bah, tu n'avais pas les moyens de faire ci ou de faire ça. Il te manquait de l'argent et t'en as marre. Voilà, pourtant, il y a une évolution. Hein. Tu es très intelligent et très intelligente, justement. Peut-être pour trouver des choses pour, justement, compenser ton salaire ou avoir des revenus autres. Ou ouais, pour compléter tes revenus. Il y a un plaisir de table. On aime se retrouver autour d'une table. On aime discuter. On va peut-être discuter, se mettre d'accord sur quelque chose. Les messages de la lune, lune magique, l'abondance. Et tu vois, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans, tu vois. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Tu vois, il y a des changements financiers ici pour toi. Hein.
L'ancrage, ouais, il faut que tu t'ancres. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de te poser pour regarder à l'intérieur de toi qui tu es, de t'ancrer et l'abondance se manifestera à toi. Tu vois, tu as vécu des choses difficiles toi, hein. Ta Neptune, attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. C'est ça, moi j'ai l'impression que ici, tu as vécu des choses difficiles parce que tu étais dans l'illusion. Tu t'es peut-être trompé de partenaire ou de voix parce que tu t'es trompé. On ne t'a pas montré la vérité. Donc reste dans ton cœur, fais des méditations, ancre-toi pour prendre les bonnes décisions et l'abondance viendra à toi. Alors avec l'oracle des chats magiques, qu'est-ce que tu as toi? Diriger, désir d'appartenance, la joie paisible de la transition. Tu es en pleine transition actuellement. T'es en plein bouleversement, donc c'est pas évident, hein. Toute transformation fait mal et on voit bien que c'est là, c'est l'automne. Je crois que c'est l'automne. Tu vois, il y a des choses que tu lâches pour avoir un bon discernement. Désir d'appartenance. Peut-être que tu as besoin de te sentir à ta place au creux de ta famille, dans le travail ou dans ce que tu veux réaliser. Tu as besoin d'avoir une reconnaissance, tout simplement, dirigée. Peut-être que tu veux diriger quelque chose, tu veux être à la tête de quelque chose. Alors vas-y, fonce. Tu vois, tu es capable. Tu es tout à fait capable. Mais c'est aussi se diriger vers quelque chose de nouveau, de savoir guider sa vie, de savoir diriger sa vie en faisant les bons choix. Tu vois, ancre-toi. Avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, tu as une sacrée guérison, toi. Hein, une guérison du cœur qui vient de l'enfance. Il y a eu des événements qui se sont aussi répercutés par rapport à cette blessure d'enfance dans ta vie de femme ou dans ta vie d'homme, hein, évidemment. Et là, il y a une guérison. Hein. Fidélité. Tu es un être très fidèle. Et moi, j'ai l'impression que tu vas rencontrer quelqu'un de fidèle. Ça va être quelqu'un, tu vois, qui va t'appuyer, qui va être une épaule. Tu vas pouvoir t'appuyer sur cette personne. Tu vois? Et ça va être une relation qui va être durable. Tu vois? Mais sois fidèle à tes engagements. Sois fidèle à toi-même, à tes promesses et à tes responsabilités. Tu vois? Il y a peut-être eu cette blessure d'abandon par un compagnon, par tes parents, malheureusement, tu vois. Il y a cette blessure d'abandon. C'est pour ça que tu t'es floué ou tu as eu une vision floutée de l'amour. Mais c'est terminé. N'oublie pas, tu as la guérison. Tu vas pouvoir diriger ta vie, prendre une direction, toi, en ayant une bonne objectivité, tu vois, tout en restant fidèle à toi-même, tu vois. Qu'est-ce que tu as là? Ouais, tu as le lâcher prise émotionnel puisqu'il y a les poissons. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Il y a des renoncements, c'est peut-être parce qu'il y avait encore des résistances, tout simplement. Et là, tu lâches ces émotions négatives, ça suffit quoi, ça suffit. Regardez plus en profondeur ce qui se passe actuellement. Un éclat majestueux habite les profondeurs de ton être. Tu es lumineuse, hein. Tu vois, il y a un diamant ici, tu es un diamant, mon petit cœur, tu es un diamant. Et tous ces événements qui ont fait du mal ont taillé ton diamant.
pour devenir meilleur, pour devenir encore plus lumineux, pour être encore plus dans l'amour, tu vois, de toi-même et des autres. Quelqu'un de très, très spirituel, Taureau, hein. Mais t'en as bavé, hein. Tu as la jalousie, tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a des gens jaloux qui t'ont foutu à terre. Il y a peut-être encore quelqu'un de jaloux, hein. Tu vas dégager ça. Je cherche. Je me cherche. Je me cherche. Je cherche encore peut-être quelque chose. Tu vois? Il y a les cadeaux de l'univers. Il y a une belle surprise qui arrive là. Quelque chose d'étonnant qui arrive dans la matière. Quelque chose que tu cherchais depuis longtemps qui arrive. Que tu as attendu longtemps. Mais les gens jaloux, tu les détectes et tu les dégages. Et il faut. Parce que ça, c'est terrible, la jalousie. Avec l'oracle de Gaïa, aime-toi-même, aime-toi. Aime-toi parce que tu es une personne formidable. Regarde ce soleil. Tu es lumineux, lumineuse. Tu es chaleureuse. Tu es généreuse, généreuse. Ici, on me dit... Bien sûr que tu vas réapprendre à t'aimer, c'est ce que tu fais, tu as bien compris. Mais tu vas réapprendre à aimer quelqu'un. C'est ce que j'entends, hein, c'est ce que je ressens, mais très fortement. Hein. C'est beau. Quel est l'animal qui va t'accompagner, qui va t'aider? Oh, c'est le gorille des montagnes. C'est aussi la contemplation, la réflexion, le recueillement, tu vois. On se recueille sur ses blessures, sur tout ça, et on les fait partir. C'est une Le calme intérieur pour moi, c'est le calme intérieur que tu retrouves grâce à cette chaleur, cette lumière que tu as en toi. Et crois-moi que tu as une sacrée lumière. Ah oui, quelle est la pierre qui peut t'aider en la portant? C'est l'opale étincelée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Eh, hein. Hey, brille ma petite, brille. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. L'opale. Alors, vas-y. Fonce. Alors, avec l'oracle de la haute vibration, qu'est-ce que tu as? Souhaite-toi le meilleur. Eh bien, oui. La foi, visualisation créative. J'ai l'impression que... Ah, ouais. Moi, je sens... Tu es très spirituel. Hein, il n'y a rien à faire. Hein. Tu vas observer que les choses que tu as pensées, que tu as désirées avec force, avec ton cœur, vont se matérialiser. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Tu as toujours eu la foi, toi. Même quand tu étais par terre, au fond du trou, parce que tu y as été. Tu as toujours eu la foi. Et souhaite-toi le meilleur. Oui, souhaite-toi le meilleur. Regarde. Pour l'infini. T'es belle. T'es beau. T'es magnifique. Il y a une étoile qui te protège. Le message des anges. Alors, tu as Fiona. La petite Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Et oui. Oh oui. Vous le méritez, mes amis. Hein. Oh là là, oui. Et moi, je suis dans ce cas-là, parce que j'en ai bavé, je vous assure, carrément. Voilà, mes amis, j'espère que cet intemporel vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, passez un bon week-end et aussi une belle nouvelle lune en balance, bien sûr, je vous embrasse.